Ok, ça va aller vite. Allez, je lance ces trucs-là. Donc, Ouais. est-ce que tu pourrais me décrire un moment qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière d'entraîneur, Ouais. soit positif ou négatif? Ok. Alors déjà, il y en a tout le temps, parce que chaque compétition, elle est importante, puisque c'est là que tu prépares tout. Donc c'est difficile de les classer, parce que même une compétition qui pourrait avoir pour des sportifs peu d'importance, elle peut en avoir beaucoup sur la construction. Donc l'exemple que j'ai qui me vient à l'esprit, c'est on était à Medemblik là et j'avais organisé un regroupement national pour les filles et les garçons en U19 pour préparer un championnat du monde. Et le moment c'est on a décidé que les filles feraient la compétition avec les seniors. Et il y a eu plusieurs moments dans cette régate qui m'ont donné plein de bonne énergie parce que les filles faisaient des choses incroyables et à côté des médaillés, quoi, alors qu'elles n'ont que 17, 18 ans, voire pour certaines 16 ans. Et donc ça, c'est magique. D'accord, et donc qu'est-ce qui a permis de voir que ça avait marché? Alors qu'est-ce qui a permis de voir qui a marché? Bah, c'est qu'elles sont devant. Donc ça, c'est assez simple. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui a permis ça? À mon sens, c'est la construction. Alors, elle remonte, puisque déjà, c'est un travail de longue haleine auprès des filles. C'est plusieurs stages nationaux, des regroupements, voilà. Et puis, sur cette épreuve-là particulière, ça a été la mise en place, en fait, de retours positifs. C'est-à-dire que l'idée continue de la régate, c'était, on savait qu'elles allaient elles allaient se prendre des roustes, en gros, et que si elles brillaient, elles ne pouvaient que repartir heureuses, puisqu'elles brillaient face à des médaillés. Mais que quand même, pour des sportives et compétitrices, c'est difficile quand même de se Oui, voir derrière. ouais. Voilà. Et donc, ce que j'ai proposé aux filles, c'est de noter à chaque fois un élément positif de la manche et de revenir avec quelque chose qu'elles valident. Je voulais pas entendre ce qu'elles validaient pas ou ce qui n'allait pas, parce que je savais qu'il y Ouais. avait plein de choses qui n'allaient pas, puisqu'on était avec les médaillés. Ouais. Voilà. Et avant le départ d'après ou la journée d'après, c'était de me donner un élément qu'elles se sentent en capacité de faire. D'accord. Donc en gros. Je te donne un exemple. Voilà, quand une des filles dit, ben voilà, j'ai du mal à aller, par exemple, à gérer ma place. Qu'est-ce qui se passe quand tu gères ta place? C'est quoi ta difficulté? Voilà, donc on discute du cas technique. Est-ce que ça, tu es prêt à mettre ça en place, de faire cette marche arrière-là dont tu me parles et tout? Oui, je suis prête à le faire. Alors, tu vas le faire quand? Là, bon, ok, on regarde. Et là, elle le fait. Parce que souvent. Les sportifs ou les sportifs, ils te disent un truc, mais c'est quelque chose qu'ils vont pas mettre en place parce qu'ils savent qu'ils sont pas en capacité de le mettre en place et que ça va compliquer de le mettre en Oui. place. Voilà. Et donc il y a ce que je souhaite, est-ce que je suis prêt à faire et là où j'en suis. Donc c'est compliqué, c'est toute cette articulation entre ouais, je rêve de ça, je rêve d'arriver à faire ça, mais aujourd'hui j'en suis là et je me sens pas en capacité de le faire. Mais je le dis quand même, sauf que ça marche pas. Donc, voilà, donc du coup, bon, appuie les oiseaux. Attends, ouais, c'est bon. Voilà, donc on est entre l'état voilà, présent Ouais. et l'état désiré. Et des fois, l'écart il est tellement grand que l'état désiré, il faut du temps pour le travailler. Et comme je leur disais, bah là, s'il faut faire un stage pour réaliser ce que vous êtes en train de me demander, Oui. ça sert à rien qu'on en parle maintenant. En gros, c'était ça. D'accord. Ok, donc c'est le moyen que t'as. C'est le moyen principal que tu as mis en place Exactement. pour les faire Et arriver à tous les ça. débriefings collectifs, tous les débriefings individuels aux autres, tous les retours à terre, à chaque fois qu'il y avait une pas, je faisais non, stop, on arrête ça. D'accord. Et donc après la compétition, il y a eu des retours né... enfin, sur les retours négatifs ou non? Non plus, Non plus. puisque l'idée c'était de rester sur le positif. On est là pour Ok. préparer un championnat du monde et donc il faut repartir avec ce qu'on sait faire pour et les armes qu'on a pour gagner le championnat du monde qui va arriver. Ok. Et donc le négatif.
Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie. Ouais. Il est noté, il y a des choses à travailler, c'est les points à améliorer. Mais il faut se donner temps pour certains points de les améliorer. On ne peut pas tout faire en l'espace d'un mois, et en l'espace d'un mois avec les examens, il n'y a pas énormément de volume. Donc il faut. Ok. On se reverra après championnat du monde si tu veux et on fera un point. Très Comme ça, bien. je te donnerai un résultat. Merci. On a de rien.